Le port altier, les cornes majestueuses, le bouquetin des Alpes a des allures de monarque. Comment résister au charme de cet animal rare et mystérieux qui continue de fasciner ceux qui croisent son chemin? Après des siècles d'absence, ce seigneur des Alpes est de retour sur ses terres d'origine. Aujourd'hui, on peut l'apercevoir dans tous les pays de l'arc alpin. Véritable funambule des crêtes, il continue d'arpenter au gré des saisons son royaume de roches et d'alpages. On a beaucoup de chance de voir des bouquetins aujourd'hui. Il s'en est fallu de peu, de vraiment très peu. Cette espèce a failli disparaître. Il y a un peu plus d'un siècle, il restait en tout et pour tout une trentaine de bouquetins des Alpes. Il n'y en avait plus du tout, il n'y en avait plus aucun, ni en France, ni en Suisse, ni en Autriche. Pour tout l'arc alpin, il en restait seulement ces quelques-uns en Italie. Et heureusement pour nous, les Italiens ont réussi à les protéger dans ce qui est devenu par la suite le parc du Grand Paradis, donc dans le Val d'Aoste. Et tous les bouquetins que l'on a aujourd'hui sur l'arc alpin, à peu près 40 000 bouquetins, 10 000 pour la France, eh bien ils sont tous issus de cette souche qui avait survécu en Italie. Le monde des bouquetins est fait de rochers et de falaises. Il est chez lui dans les pentes les plus vertigineuses. Malgré un physique imposant, il fait preuve d'une agilité hors pair lorsqu'il s'agit de se déplacer dans les terrains accidentés et verticaux. En plus de cela, il est muni de sabots qui n'ont rien à envier aux chaussons d'escalade les plus performants. L'absence de membrane entre les deux ongles lui permet de les utiliser comme une pince, capable de s'agripper à toutes les aspérités, mais aussi de s'adapter à n'importe quel type de surface.